Je vais parcourir rapidement le visualiseur Mazatrol. Je reviens donc au module d'extension pour activer la fonction du visualiseur Mazatrol. Je vais dans Éditeur, Paramètres généraux, Module d'extension et j'active le visualiseur Mazatrol. Je ferme la fenêtre et je redémarre l'éditeur pour activer les modifications. Bien. Avec le visualiseur Mazatrol, nous n'avons pas de barre d'outils supplémentaire. Il nous permet plutôt de charger des fichiers de format Mazatrol dans l'éditeur pour les visualiser, éditer, etc. Je vais donc ouvrir un fichier Mazatrol. Je clique sur Ouvrir et je peux voir ici que j'ai des fichiers Mazatrol disponibles. Je sélectionne un fichier et je clique sur Ouvrir. Le contenu de ce fichier devait être le même que les informations affichées sur l'écran Mazatrol. Ce fichier peut être imprimé et vous pouvez aussi faire une comparaison de fichiers. Vous voyez ici en haut que le fichier est en lecture seule. C'est dit que nous ne pouvons pas apporter de modifications dans cette fenêtre et enregistrer les changements. Le visualiseur Mazatrol supporte différentes commandes numériques, mais chacune est une option dans le système de commandes.